Nos Bok Yakar sont solidaires. En même temps, parce que quand il y a des dégâts aussi importants dans l'économie d'un pays, on ne peut qu'être solidaire. Donc nous manifestons notre solidarité sur cette question. Mais nous voulons aussi dire qu'on a besoin un peu d'organiser l'espace. Il ne faut pas que notre pays soit un pays où chacun peut faire ce qu'il veut. Il faut quand même arriver à ce que les gens soient organisés, de façon à pouvoir amoindrir en cas d'accident des catastrophes de cette nature. Il n'est pas normal, parce qu'au Sénégal, il y a trop de laisser-aller. Il y a trop de choses qui se passent et on attend qu'il y ait des incidents pour finalement pleurer. Ce qui s'est passé avec le bateau de Djola, on a pensé que c'était terminé. Et c'est ces mêmes types de catastrophes à de petites échelles qui sont en train de se reproduire. Et ça, je crois que ce n'est pas normal. Mais nous manifestons toute notre solidarité pour trouver les voies et moyens que ces pères de famille qui ont perdu une bonne partie de leur économie puissent vraiment repartir d'un bon pied dans un espace quand même organisé qui leur permette d'exercer leur activité.